Bien à vous, l'ami. Alors, j'ai entendu dire que vous restiez pour reconstruire. Le colonel avait aussi de bonnes idées. Enfin, avant qu'il pète les plombs. Vous êtes le deuxième à me dire ça. Qui d'autre? Coury? Vous savez quoi, je l'emmerde. Il nous a abandonnés. Sans son aide, on serait tous morts. C'est ça, ouais. Je pense qu'on va recommencer à zéro sans tout le délire militaire. Hey, vous allez rater mon discours. Non, je pense que je m'en remettrai. Frérot, on a gagné. T'as réussi. Tu sais, j'ai vraiment cru. J'avoue, pendant un instant, j'ai vraiment cru que j'allais me faire sauter. Je te l'ai dit, moi, j'ai des trucs à faire. Bon. Entre-leur, vieux frère. Ouais, c'est parti. Jack serait fier. T'as réussi. On a réussi. Bien. Tu vois, ça vaut parfois le coup d'allumer un cierge. En fait, c'est plus un genre de feu de joie qu'un cierge, mais... Pas faux. C'est la première fois que je te vois faire un discours. Oh, arrête. Ce sera pas un discours. Ok. Lieutenant. Oh, merde. Arrête avec ça. Pourquoi ils arrêtent tous de parler, là? Bon, bah, ils t'attendent. À toi de jouer. Je sais qu'on a quasiment tout à reconstruire. Alors je vais tâcher d'être bref. J'ai rien d'un leader. C'est ça, ouais. Je me fous de ce que vous pensez, j'en suis pas. Mais... vous avez accompli quelque chose aujourd'hui, tous ensemble. On s'est unis pour combattre. Et pas parce qu'un connard nous l'a demandé. Mais parce que c'était la bonne chose à faire. Et vous savez quoi? On a gagné. Je vous ai vu galérer. Reconstruire. Je vous ai vu combattre pour sauver des vies. Pour protéger et nourrir la communauté. Je vous ai vu sacrifier tout ce que vous aviez, tout ce que vous étiez, pour apaiser cet enfer. Et c'est pour ça qu'on est en vie. Voilà pourquoi on est en vie. Parce que si on perd tout espoir d'avoir une vie meilleure, ou un avenir qui vaille le coup, alors pourquoi se battre ? Vous savez, Iron Mike, on a dit un jour que nous façonnions le monde tel qu'il est, par nos actions. Et qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? Vous voyez ça? C'est le tout premier pas. Je croyais que tu ferais pas de discours. Ouais, j'ai merdé. Alors, c'était comment? Disons que c'était pas mal, pour un motard hors la loi. Un motard hors la loi? T'es prête à prendre la route, ma jolie? Je sais pas, ça dépend. Où est-ce qu'on va? Partout où on voudra.